MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Tout vous sourit à la boîte à outils. Quel match digne d'un vrai derby. Les joueurs d'Aix-Marienne ont montré à leur public leur pire et leur meilleur visage. Face à l'équipe de Bourg-en-Bresse, l'équipe d'Aix-Marienne a commencé le match de la pire des manières possibles. Rien ne passait, tandis que de leur côté, les joueurs de Bourg-en-Bresse connaissaient une réussite incroyable. Rapidement, les visiteurs s'envolaient très haut au score, poussant leur avance à 25 points dans le premier quart-temps. Mais les joueurs d'Aix-Marienne, portés à bout de bras par leur capitaine, auteur de la moitié des points de son équipe en première mi-temps, va se ressaisir de la plus belle des manières. Au retour de la pause, les joueurs d'Aix-Marienne confirment leur état de grâce et parviennent à prendre pour la première fois le lead dans ce match. En face, l'équipe de Bourg-en-Bresse a les pires difficultés à percer la défense des joueurs d'Aix. Finalement, c'est dans un stade en ébullition que les joueurs d'Aix garderont le rythme jusqu'à la fin du match. Et ce, malgré un sursaut d'orgueil des joueurs de Bourg. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais au final, ce sont les joueurs d'Aix qui sortent vainqueurs de ce match de folie. Score final 91 à 82 pour les locaux. En première mi-temps, c'est Karim qui nous maintient en vie, mais il met la moitié des points, on en met 40, il est à 20. Voilà, en deuxième mi-temps, on a eu chacun notre tour, on a eu un peu notre moment, on était en feu. Et voilà, on a réussi un petit peu plus à se passer le ballon sur la deuxième mi-temps. On a mis des gros shoots et surtout, on a fait une très grosse défense. Ah bah je crois qu'on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Dans le premier quart, Bourg est complètement euphorique. Je crois qu'ils sont à 80% d'adresse. Dans le deuxième quart, on fait jeu égal, on est un peu plus agressif. Et c'est ce qu'il fallait donc pour revenir dans ce troisième quart. Vraiment, les joueurs ils ont été au diapason défensivement. On a mis beaucoup de rythme en défense, donc on retrouve ce rythme en attaque. Et puis après, autant Karim nous avait tenu sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps, c'est tout le monde qui est un peu dans la même euphorie. Ils n'ont rien lâché, on s'est battu. Et vraiment, c'est vraiment une très belle victoire. On savait que Bourg-en-Bresse avait ils appréhendaient un petit peu ce match, parce que les confrontations qu'on a eues cette année ont toujours été très très serrées. Moi, ce qui est vraiment super, c'est que les joueurs n'ont pas lâché. On a été à moins 25, le plus gros écart. Et puis un public ce soir, je crois que ça a été vraiment le sixième homme ce soir. Ils nous ont aidés, ils ont aidé l'équipe à ramener cette victoire. Franchement, elle est vraiment très belle. Un des matchs les plus aboutis qu'on ait vu à la Almarleuse. Hein. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Tout vous sourit à la...